Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un tuto Fimo pour vous montrer comment réaliser ces 6 macarons sur le thème du sport. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Donc avant de vous montrer comment on réalise les différents designs, on va d'abord passer au macaron. Donc je vais vous montrer un tuto sur comment faire un macaron et après ce sera à vous de le refaire dans les couleurs que vous souhaitez. Donc je commence par aplatir de la pâte à la pasta machine, vous pouvez très bien le faire au rouleau. Puis je viens placer du film étirable par-dessus et je vais ensuite emporte-pisser ma pâte, donc je fais deux ronds. En fait, le film plastique va donner l'effet bombé à la coque. Puis je viens la mettre sur un support et je vais venir tracer une ligne sur tout le tour de ma coque et je vais ensuite venir texturer au-dessous de cette ligne avec une aiguille, donc voilà, en faisant de petits mouvements circulaires et en arrachant la pâte. Puis voilà, toutes nos coques une fois qu'elles sont faites. Et maintenant je vais vous montrer les couleurs qu'il faut pour faire la ganache. Donc pour faire la ganache, tout simplement, je fais une boule de pâte et je l'aplatis au doigt. Et donc pour le macaron jaune, il faudra une ganache blanche. Pour le macaron noir, il faudra également une ganache blanche. Pour le macaron orange, il nous faudra une ganache chocolat. Pour le macaron marron, il nous faudra une ganache blanche. Pour le premier macaron blanc, il nous faudra une ganache rouge et pour le second macaron blanc, il nous faudra une ganache noire. On passe maintenant au premier design qui est le design de la balle de tennis. Et donc pour cela, je vais venir prendre du coulis blanc. Donc ce sont à chaque fois des coulis fimo dur plus fimo liquide si vous vous posez la question. Et donc je vais venir tracer deux arcs de cercle avec mon coulis. Donc voilà, c'est vraiment un design très très simple. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et voilà le résultat. Maintenant pour le second design qui est la balle de billard, on va venir aplatir de la pâte blanche, donc plutôt finement, et on va venir à l'intérieur emporte-piècer un tout petit rond, mais bien sûr si vous n'avez pas d'emporte-pièce de cette taille, vous pouvez le découper au scalpel. Puis avec du coulis noir, je vais venir tracer un 8, donc c'est assez périlleux quand même comme opération, donc si vous vous sentez pas trop à l'aise, n'hésitez pas à cuire votre création et à dessiner le 8 après cuisson avec un marqueur, et voilà le résultat. Pour la balle de basket, je suis venue prendre du coulis chocolat et donc j'ai commencé par tracer une ligne verticalement sur tout le long de mon macaron. Puis je suis ensuite venue reproduire les mêmes arcs de cercle que sur la balle de tennis précédemment. Et pour finir le design, je trace une ligne horizontalement, donc voilà, perpendiculaire à la toute première. Pour le ballon de rugby maintenant, on va venir prendre du coulis blanc et on va commencer par tracer deux lignes verticalement sur les bords du macaron. Donc voilà, les images sont beaucoup plus explicites que mes paroles. Et pour terminer le design, on trace une petite ligne horizontalement au centre des deux lignes qu'on a tracées précédemment. Et on vient ensuite couvrir cette ligne d'autres petites lignes perpendiculaires. Et voilà, le design est terminé. Pour la balle de baseball, c'est comme le macaron tennis, donc on va prendre du coulis rouge cette fois et tracer deux arcs de cercle de part et d'autre du macaron comme on a fait précédemment. Et la seule petite subtilité qui change, c'est que par-dessus ces traits, on va venir dessiner d'autres tout petits traits perpendiculairement donc à ces deux arcs de cercle. Et voilà, donc c'est assez long et assez minutieux, mais le résultat en vaut la peine. Et enfin, le dernier design qui est aussi le plus complexe, c'est celui de la balle de football. Donc on va commencer par aplatir une plaque de pâte noire et on va venir détailler à l'intérieur plein de petits pentagones. Enfin, je vous conseille vraiment de regarder une image de balle de football pour reproduire ce macaron parce que ce sera beaucoup plus explicite. Et donc ensuite, je viens les placer dans un certain sens, voilà. Donc moi je me suis inspirée d'une image, je vous la mets à l'écran, je pense que ça peut vous aider. Et ensuite, avec du coulis noir, je suis venue relier un peu les pentagones entre eux. Mais voilà, pareil, regardez une image, vous verrez bien comment c'est tracé parce que c'est quand même assez subtil. Et donc voilà le résultat qu'on obtient à la fin. Franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous reproduisez ces créations, n'hésitez pas à les mettre sur Instagram avec le hashtag #Zobserve. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye !